Vous êtes disponible sur la web TV de artiste.bf. Nous avons l'immense plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui le délégué général du FESPACO, M. Alex Moussa Sawadogo. Tous, nous sommes à moins d'un mois de cette incontournable biennale du cinéma africain qui se déroule à Ouagadougou. Nous savons, vous brûlez tous d'envie de connaître à quel niveau de préparation est cette biennale et quelles sont ses innovations. Vous allez rester donc avec nous. Dans un instant, vos lanternes seront éclairées puisque, en plus d'être sur notre plateau, le délégué général a bien voulu se prêter à notre jeu de questions-réponses. Aussi, pour faire une parfaite symbiose avec cette 28e édition, nous avons décidé de joindre les enfants, la prunelle de nos yeux, question de les intéresser davantage au cinéma. Restez donc avec nous pour découvrir les tenants et les aboutissants de cette 28e édition du FESPACO. Bonjour, monsieur le délégué général du FESPACO. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de artiste.bf. Merci. On va donc, sans transition, mettre les pieds dans le plat. Nous avons appris donc de sources sûres que le pays invité d'honneur pour cette 28e édition du FESPACO est le Mali. Pourquoi le choix du Mali quand visiblement tous les pronostics étaient verts pour le Togo? C'est vrai, le Mali aujourd'hui, sur le plan politique, pour ne pas dire sécuritaire et culturel aussi, et nous vivons quasi la même histoire. Et nous vivons la même histoire en ce sens que, sur le plan artistique, nous sommes l'un des seuls pays du continent africain avoir remporté au minimum deux états lors du Niénéga. Je pense justement à Gaston Kaboré au niveau du Burkina, à Idriss Sao Drago aussi au niveau du Burkina bien sûr, et au niveau du Mali, nous avons Cheikh Omar Sissoko, et avant lui nous avons Souleymane Cissé, bien sûr que le Mali a eu deux fois déjà avec Souleymane Cissé, donc au moins ils ont trois, nous avons deux. Mais nous sommes l'un des rares pays ensemble qui avons remporté l'état mandat du Niénéga deux fois. Oh, le Sénégal aussi qui vient de le faire, et puis je crois qu'il y avait la Côte d'Ivoire aussi. Donc déjà, vous voyez que ces deux pays sont liés déjà à ce dessin, mais au-delà de ça aussi, aujourd'hui au niveau de la sous-région, lorsqu'on parle des cinémas d'Afrique, les deux pays, disons, sont le porte-flambeau justement de notre cinématographie, vu la richesse d'abord de la création et la qualité de la création cinématographique, et aussi de la dynamique qui existe entre les deux pays sur le plan cinématographique. Et donc, sur le plan politique, c'est pas pour rappeler, mais vous savez déjà ce que nous vivons, et la situation actuelle avec ce qui se passe avec la question sécuritaire, et aussi... on était à un certain moment, on se posait la question à savoir comment deux pays qui vivent quasi les mêmes histoires, deux pays qui se partagent une frontière, deux pays qui se partagent quand même, disons, des biens culturels ensemble, comment qui vivent en même temps des questions politiques, une belle sécurité très difficile, comment ces deux pays peuvent se retrouver lors d'un événement comme le FESPACO, où des grands artistes de ces deux pays-là, on pourrait parler autour du cinéma, des questions, se réfléchir ensemble, à trouver des solutions idoines à travers le cinéma, à travers la culture, pour pouvoir résoudre ce fléau qui frappe aussi bien les deux pays que le continent africain. Je voudrais vous poser une question, monsieur le DG du FESPACO. Pourquoi le FESPACO 2023 ne prévoit pas des projections dans les écoles? Je voudrais poser une question au DG du FESPACO. Avez-vous la confirmation que le pays invité d'honneur du FESPACO 2023 sera là? Monsieur le DG, je voulais vous poser une question. Que peut faire le FESPACO pour intéresser les enfants au cinéma? Merci. J'aimerais vous poser cette question, monsieur le DG du FESPACO. Quel est votre message à tous ceux qui hésitent encore à prendre leur ticket pour la destination Burkina? Monsieur le DG, depuis 2015, quand on parle FESPACO, les étrangers voient déjà la sécurité.
Qu'avez-vous à leur dire pour rassurer tout ce beau monde qui sera à Ouagadougou? Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel message vous pouvez donner à tous ceux-là qui sont au-delà du Burkina, hors de nos frontières, qui regardent un peu tout ça d'un œil et qui n'arrivent pas réellement à se décider parce que on est bien obligé d'évoquer ça. On a aussi la question sécuritaire. Donc, qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Et donc, quel message vous pouvez donner à tous ceux-là qui sont quand même un peu hésitants jusque-là? Justement, avant de répondre à votre question, nous faisons la 28e édition, donc nous sommes presque à 52 ou à 53 ans de l'existence du FESPACO. Il n'y a jamais eu d'annulation d'un événement du FESPACO, d'une édition du FESPACO. On a vu à travers le monde, même avec la question sanitaire de Covid, nombreux sont ces festivals-là qui sont mieux nantis que nous, et qui ont plus de moyens que nous et qui ont annulé les festivals. Et le FESPACO, depuis sa création, n'a jamais été annulé. Bien vrai que nous avons eu des soubresauts historiques, pour ne pas dire politiques, dans notre marche vers le développement de notre pays, avec les changements de régime. Aucune édition n'a été du FESPACO a été annulée. Nous avons eu en deux ans, nous avons fait juste un report, question de pouvoir revoir un peu notre stratégie de management du festival, mais nous avons réussi malgré les problèmes. Et là, c'est un double problème, sanitaire et sécuritaire. Mais nous avons réussi, je crois, avec brio, de faire ce festival-là et nous y sommes encore très fiers. Oui, nous sommes à la 28e édition et nous nous retrouvons, je peux dire, face à un gros problème qui est justement la question dont vous parlez, qui est la question sécuritaire. Non. Et organiser un événement comme le FESPACO, cela revient à dire qu'il y a une réflexion de base, et une concertation, et du brainstorming, comme on aime le dire en fait, entre nous d'abord et notre ministère de tutelle. Et il y a aussi de profondes réflexions justement entre notre ministère de tutelle et aussi avec les autorités. Le monde entier sait que ces moments, on aurait pas moins de, disons, pas moins de 20 000 spectateurs qui seront bouquins, pas moins de 6 000 festivaliers qui viendront du continent, hors du continent. Et pour pouvoir accueillir ces nombreuses personnes-là, c'est le minimum que nous pouvons faire. Quand je dis le minimum, c'est la question de la sécurité. Et lorsque les autorités prennent ces décisions, c'est qu'elles sont conscientes de la situation. Et s'ils nous donnent le OK aussi, savent qu'ils sont prêts aussi à mettre les moyens pour ne pas dire les bouchées doubles pour que nous puissions réussir, disons, cette édition-là. Je réponds maintenant à votre question. Nous invitons le monde entier à venir au Burkina Faso. Nous invitons ces professionnels-là du monde entier à venir au Burkina Faso. C'est vrai, en venant au Burkina Faso, la première, la première ambition, ce sera de voir notre très belle programmation. Mais au-delà de ça aussi, c'est de montrer que quel que soit ce qui se passe au Burkina Faso, venir au Burkina Faso, c'est une forme de soutien au peuple burkinabé. C'est une forme de montrer au monde entier qu'on ne pourrait jamais résoudre ce problème-là sans une prise de conscience de nous-mêmes, Africains, durant le FESPACO ou dans d'autres événements. Et organiser cet événement-là aussi, dans cette situation-là aussi, c'est de montrer que les créateurs, les producteurs, les réalisateurs, tous les hommes de culture aussi qui viendront au FESPACO aussi, c'est de pouvoir se parler en même voix, sur la même voie, sur un territoire qui est aujourd'hui, qui souffre beaucoup et qui a besoin de soutien. Et ceux qui viendront aussi, ce sont ceux qui témoigneront de leur amitié, de leur soutien au peuple Burkina Faso, au peuple du Burkina Faso. Et je crois fort bien que nous allons réussir aussi, et nous allons témoigner de notre hospitalité. Et à leur retour, et lorsque la paix reviendra aussi, je crois que nos autorités aussi leur diront merci. Merci d'être venu. Merci de montrer au monde entier que le Burkina Faso n'est pas seulement peint en rouge, mais le Burkina Faso regorge de femmes et d'hommes intelligents qui sont capables de surmonter les défis, et que le Burkina Faso, malgré tous les soucis que nous vivons aussi, va continuer à contribuer d'une manière artistique, cinématographique, au développement culturel, à l'épanouissement de son peuple et de ceux qui viendront aussi, et de montrer que c'est tous ensemble que nous gagnerons la guerre contre les terroristes. Merci DG. Je vous en prie. Au-delà de l'immense plaisir que j'ai eu de vous recevoir sur ce plateau de artiste.bf, ça a été un honneur pour moi. Merci de vous être prêté à toutes nos questions.
Je rappelle, madame, messieurs, que nous étions donc en compagnie du délégué général du FESPACO, monsieur Alex Moussa Sawadogo. Bonne suite à vous. Merci, madame. Vous êtes invité au FESPACO. Ah oui, nous y serons. Sans vous. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Très belle suite de merci. Préparation. Merci. Et au plaisir de vous retrouver donc merci. Sur le FESPACO. Merci beaucoup. Édition du FESPACO, cinéma d'Afrique et culture de la paix, Ouagadougou, du 25 février au 4 mars 2023. Madame, messieurs, c'est donc tout pour cet entretien. Moi, je vous retrouve très prochainement sur le plateau de Artista.bf avec un autre invité pour d'autres actualités.